Sébastien, je t'appelle une nouvelle fois pour te demander, même si je me dis que bon, au bout d'un moment, tu vas pas me répondre quoi. Je sais même pas, je te demande pas quand tu vas, enfin comment tu vas, je pense que je l'ai demandé déjà assez. J'espère juste que ouais, tu vas me donner des nouvelles et peut-être que tu vas répondre. Voilà. Essaie de nous dire tout ça. Allez, salut. Amoureux, ça va? Ouais, salut Gaël. Salut. Ah mais vous arrêtez pas pour moi hein. Je fais partie de ces gens qui préfèrent voir deux personnes s'embrasser plutôt que se battre. Ça doit être mon côté un peu naïf, je pense. Non, sinon ça va toi? Ouais, ça va. Apparemment, faudrait que je fasse du sport pour pouvoir me vider la tête. C'est ce que je fais, on verra bien ce que ça donne. Puis sinon au bar, ouais, c'est toujours pareil hein. Mon patron, tu sais bien, toujours aussi chiant. Et sinon, il n'y a toujours personne dans ta vie? Facile à dire. Écoute, en fait, c'est que pour l'instant, je me sens pas aimer quelqu'un d'autre. Dans un sens, je me sentirais plutôt traître. Faut pas que tu dises ça, c'est qu'elle aurait voulu que tu sois heureuse. Pas que tu restes toute seule toute ta vie. Change pas, toi. Toujours le mot là où il faut. Hein. T'aurais dû faire petit. Bon, allez, moi je vous laisse. Ouais. À plus. Salut, bonne journée. Bonne journée. Excuse-moi. Ouais. Je m'appelle Louis, je suis nouveau et je cherche les vestiaires. Ouais, moi c'est Bastien Bailly. Juste Bastien. Viens, je te montre.
Et du coup, t'es nouveau ici Ah ouais. Mon père a absolument cru à ce que je teste la boxe, alors bon, il m'a inscrit ici. Enfin, tu vois des parents, quoi. Désolé. J'y ai un peu en retard. Même pour aller chercher le pain, c'est une vraie galère. Mais j'abuse à peine. Il me prend la tête pour rien. Tu m'écoutes là? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Tout va bien. Non mais je suis pas vague là. Qu'est-ce qu'il y a? Pff, on peut rien te cacher à toi. Hein. Enfin, c'est juste que... Enfin... Cet endroit, ça me rappelle Tom. Il est tout le temps ici pour se retrouver, pour discuter. Ouais. Je sais. Il te manque beaucoup. Bon, tu vois, moi je l'avais connu, j'en sais rien, mais si c'est ton meilleur ami, il va forcément revenir un jour, tu vois. C'est jamais trop tard pour avoir des nouvelles. Après 5 mois d'absence sans aucune nouvelle, j'y crois plus. Sa mère, elle a réussi à l'éloigner en déménageant et à lui couper tous les liens avec son entourage. De toute façon, elle m'a jamais aimé. Et pour te dire, quand elle a appris qu'il avait un copain... Bon, enfin, elle est pas allée jusqu'au point de le renier, non, mais... Elle a essayé de le protéger en l'éloignant et en le faisant repartir à zéro. Encore ton père ? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez beaucoup de choses intéressantes.
Vous me conseillez quoi comme cocktail, s'il vous plaît? Alors, tous les cocktails d'ici sont excellents, mais entre nous... Viens voir Margarita. Pourquoi pas alors? Un margarita pour moi, s'il te plaît. Très bien. Et je vous fais ça alors. Merci. Je suis fâché, je tape plus fort. Je pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. Tu viens tous les jours? Donc je fais un minimum de séances, je viens quand je veux. Ok, donc tu viens quand tu veux et tu viens tous les jours. Bizarre pour quelqu'un qui aime pas spécialement la boxe. En fait, j'ai un ami qui m'a dit que c'était plutôt cool. Du coup, j'ai fait confiance, puis ça me motive encore plus à venir. Et cet ami pourrait m'apprendre un petit peu comment on se bat. Je veux bien, mais peut-être qu'avant il faut que tu sois en tenue. Peut-être que je l'ai oublié, oui. Allez, viens. Je pense, ou un truc comme ça, mais si tu veux m'offrir un Diabolo Grenadine, je peux pas trop dire non. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un bar alors. Toi. Salut, non, ouais, je pensais pas que tu commençais maintenant, c'est pour ça. Faut bien commencer à un moment. Et tu me présentes pas ton ami? Si, enfin, Gaël, je te présente Louis, et du coup, Louis, je te présente Gaël. Enchanté, Louis. Bon, je vous sers quoi à boire? Deux Diabolo Grenadine, s'il te plaît. Ça marche, je vous amène ça. Et c'est qui par rapport à toi, cette Gaël? C'est juste une pote, pourquoi? Je sais pas, vous trouvez un peu proche, c'est pour ça.
Pierre. Tu veux savoir si je la trouve jolie? Bah, je sais pas. C'est le cas? Mais non, pas du tout. C'est une pote et ça le restera. Tu la trouves comment, toi? Je sais pas. Elle est sympa. Elle est pas mal, honnêtement. Et toi, t'en penses quoi? Je sais pas, elle est... féminine. Et voilà mon deux diabolo, les gars! Tiens, merci. T'es hyper bien sapé. Ouais. Tu vas au bal ce soir? Ah non, non, je suis invitée autre part, moi, ce soir. Et vous, vous y allez ou pas? Non. Enfin, non, pas prévu. Bah, si, carrément. Bah, on a qu'à y aller, moi j'ai rien de prévu ce soir, donc ça tombe bien. Grave. Ok, mais enfin, moi faut que j'aille me changer de toute façon, donc... Oh putain, faut y aller classe. Ah ouais. Bah non, mais le truc c'est que si je demande à mon père de venir me chercher, il voudra pas me ramener ici ce soir. Oh non. Bah, enfin, t'habites juste à côté. T'as qu'à lui prêter une tenue, toi. Je sais pas, ouais. Ça te va, toi? Bah... ouais, pourquoi pas. Ok, on peut payer du coup? Ouais, ça marche, nickel. Je te ramène la note. Par contre, j'ai qu'un vélo du coup. Bah, on fera avec. On t'a rien de ce genre de truc, toi? Je galère tout le temps. Alors toi, dans la vie, tu te fais emmerder par des cols de chemise? Original. Tu trouvais pas belle, Gaël? Tais-toi. Attends, t'as des capotes? Ouais. Attends, 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 attends. Je suis pas sûr de... Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie? Bah... je sais pas, au fond de moi j'en ai envie, tu vois, mais... je crois que je suis pas réellement prêt. C'est pas grave, t'as pas besoin de te justifier. Ouais, mais tu vois, ça craint, quoi. J'ai 18 piges, je suis toujours pas capable de passer à l'acte. Tu l'as jamais fait? Bah, jamais fait, non. C'est pas grave, chacun son rythme, on n'a pas... à vouloir presser, à se mettre de pression, on s'en fout. Ouais, mais toi, par exemple, tu l'as déjà fait, non? Oui, mais... c'est pas pareil. On était tous les deux amoureux, on se sentait vraiment bien, on avait envie, quoi. Enfin, on se sentait vraiment prêt. Et puis au pire, c'est pas grave. J'irai baiser avec le voisin. On va quand même à la fête ce soir? Évidemment. Tu vois, j'ai réfléchi et je me dis que, bah dans un sens, peut-être que tu veux ma pas famille... non, je bois pas d'alcool. Allez, pour me faire plaisir. Ok. Ah. C'est bon, hein? Je comprendrai jamais pourquoi les gens boivent de l'alcool. Ça va, c'est pour s'amuser. Mais j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. Tu vois, je pense qu'au fond, les gens boivent de l'alcool parce que ça provoque un sentiment de confort. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un être humain qu'affronter le regard des autres? Et bah, je pense que l'alcool, justement, et bah, ça permet d'aider à affronter le regard des autres. Et donc peut-être à être plus en confiance, lui. Et t'entends? C'est pas une musique pour les amoureux, ça? Oh non, me dis pas que tu vas aller danser. Bah écoute, tu veux que je te montre comment on s'amuse sans alcool? Je suis devenu sourd, bel inconnu. Je voyage comblé depuis le jour où je t'ai rencontré. Par un silence, j'entends tes mots. Ils résonnent si fort, tu me fais écho. Il suffit d'un moment, mes yeux plongés dans les tiens. La pesanteur disparaît, plus un seul mot ne tient. T'aimais à me déchirer jusqu'à ne plus exister. T'aimais si fort, je ne peux plus respirer. Tu es ma force, ma vie, ma peine, ma folie, mon obsession, mon envie, ma raison. Tu es pourquoi je suis.
Mais tu danses pas si mal finalement. Je vais pisser, je reviens dans 5 minutes. Tu m'abandonnes. Si je suis pas de retour dans 5 minutes, refais ta vie. Alors, ça va la pédale? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu flippes, tu sors de queue? Hein, petite tapette? Tu crois qu'on t'a pas vu avec ton copain sur la piste de danse, là? Comme ça devant tout le monde pour danser, juste pour attirer l'attention. Et je vous ai rien fait. Écoute, ça gêne tout le monde ce que vous faites là. Et personne n'ose vous le dire. Donc moi je vais être très très clair avec toi. Des comme toi dans mon monde, on les brûle. Hé hey. Casse-toi, toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Je te laisserai plus jamais. Plus jamais on te fera de mal. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ah non, j'ai pas vraiment apprécié le dernier. Ils avaient mis tellement la barre plus haute dans Infinity Wars que dans Endgame. J'aurais aimé bien plus. Mais bon, ça restait quand même des scènes dingues, bien sûr.
Bon, désolé, je dois partir. Oh ! Non mais Léla, sans déconner ! Tu pars tout le temps comme ça, d'un coup ! Tu gâches les soirées ! Mais tu vois, je pouvais pas l'accepter. Enfin, je sais pas, la manière dont il l'a dit, c'était bizarre. C'était devant tous mes potes, c'était... Enfin, je sais pas, mais c'est un peu le côté maladroit de Théo. Et bon, c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi. Et puis même après, je sais pas. Je pouvais pas trop le dire devant tous mes potes. Enfin, t'imagines, je sais pas, ils auraient arrêté de me parler. Ils auraient fait que me mettre la misère tout le temps. Je pouvais pas faire ça. Et je sais pas, j'ai préféré le faire souffrir lui plutôt que moi. Je suis con, mais j'ai été tellement con. Tous les jours, j'y pense et tous les jours, je m'en veux. Mais t'as aucune idée de là où il a pu partir ? Non, personne sait. Sa mère est très... Elle est très spéciale. Et si elle revenait d'un coup, tu ferais quoi ? Je lui dirais merci. Je lui dirais merci de m'avoir ouvert les yeux. Et il a permis que je m'accepte. Donc ouais, je lui dirais merci et c'est tout. En soi, il a aussi permis que je rencontre un joli petit garçon. Donc peut-être je suis un peu tombé amoureux. C'est qui ça ? Bah alors ? C'est qui la pédale ? Hey ! Je savais bien qu'il y en avait qu'une qui pouvait appeler son chien Margarita. C'est si bon que ça ? C'est juste la meilleure boisson au monde, je te l'avais dit. Merci. Mais qu'est-ce que tu fous là au juste ? Bah, j'ai voulu retrouver le cocktail que j'avais commandé l'autre soir. Mais quand je suis arrivée, la ravissante demoiselle qui m'a servi la dernière fois n'était pas là. Alors, faute d'avoir trouvé la serveuse, j'ai trouvé son porte-clés. Ouais. Je dois avouer que la ravissante demoiselle est très reconnaissante envers l'autre belle demoiselle qui lui a gentiment gardé ses clés au chaud. Pardon ? Je gâche les soirées ? Mais désolée ! Désolée de gâcher les petites soirées de monsieur qui a la belle vie et donc peut en faire quand il veut. Non mais c'est vrai quoi ! T'essaies même pas de t'opposer à ton père ! Tu pourrais faire un effort ! Allez Leila, reste cette fois-ci. Je t'aime vraiment. Mais vas-y toi ! Essaye de t'opposer à mon père, hein ! Monsieur l'ami de tout le monde, toujours souriant, qui n'a aucun problème dans sa vie. Ah si, pardon. T'as un problème dans ta vie, tu sais ? Celui qui représente 50% de nos conversations ? Ton meilleur ami, Tom, que tu me pleures tous les jours ! Et tu sais quoi ? S'il te manque tant que ça, vas-y ! Va le retrouver ! Pars maintenant, tout de suite ! Tu seras bien mieux avec lui qu'avec moi, qui suis un problème sur pattes ! Au fond, t'es peut-être juste une pédale. Elle s'est fait renverser par une voiture. Elle allait à l'école comme tous les matins. Et elle s'est pris la bagnole d'un mec qui avait 3 grammes dans le sang. Au début, je pensais que c'était ma faute. Je pensais qu'elle avait fait une connerie ou je sais pas quoi. Et au final, pas du tout. C'était juste un putain d'accident de voiture qui aurait pu arriver à n'importe qui. Je l'aimais tellement, je te jure, je l'aimais tellement. Ça me torture de savoir qu'elle n'avait pas pu profiter de sa vie. Qu'elle est morte malheureuse et qu'on n'a même pas pu vivre autant de temps qu'on aurait voulu ensemble. Je suis vraiment désolée, Gaël. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Ce monde devient fou. Les gens deviennent de plus en plus fermés d'esprit. On préfère la guerre à l'amour. Pire que ça, même, on fait la guerre à l'amour. Comme si on avait que ça à foutre, putain. Tu sais, la première fois que je t'ai vu au club, en fait, je savais pas comment te parler. Et donc, du coup, en fait, bah, j'ai tout simplement demandé où étaient les vestiaires, alors que je savais très bien où ils étaient. Tu savais où étaient les vestiaires ? Ouais.
Théo ? Merde, ça va ? Théo. Oh, oh, oh. Bon bah, je vais devoir y aller du coup. Ça va, je suis là, hey. Ça va. J'ai côtoyé l'amour. Ça va, je suis là, Théo. Un instant, je suis devenue sourde. Belle inconnue, je voyage comblée. Depuis le jour où je t'ai rencontrée. Par un silence, j'entends tes mots. Ils résonnent si fort, tu me fais écho. Il suffit d'un moment, mes yeux plongés dans les tiens. La pesanteur disparaît, plus un seul mot ne tient. T'aimer à me déchirer, jusqu'à ne plus exister. T'aimer si fort, je ne peux plus respirer. Salut, t'es bien sur la messagerie d'Emmy. Je suis pas dispo pour le moment, alors laisse-moi un message. Bye. Par un hasard, au carrefour de nos vies, je t'ai vu toi, t'as bouleversé ma vie. Par un frisson, peau contre peau, je m'abandonne à toi, mon alter ego. C'est si fort, tu deviens mien, rassuré de tes bras, enivré de ton parfum. T'aimer à me déchirer, jusqu'à ne plus exister. T'aimer si fort, tu es mon monde entier. Tu es